aujourd'hui on est trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un relook total. Comme vous savez, on est en collaboration avec la marque Shinside. Et du coup, pour ce fameux Black Friday, ils nous ont proposé de choisir sur leur site complet 8 articles. Ce qui est quand même plutôt généreux. Et c'est vrai que nous, c'est une marque qu'on adore. C'est pas du tout parce qu'on est en collaboration avec eux. Vous le savez très très bien, donc du coup là on a chacun un carton de notre côté. On va découvrir en direct tout simplement tout ce qu'on s'est pris. Donc c'est pas un matchmel fait mon shopping, parce que là on va vraiment se relooker totalement. Et j'espère du coup que Yolande sera ton style et que moi ça va être mon style, enfin j'espère trop. On verra. Et du coup, comme vous pouvez le savoir, tellement que la marque Shinside elle est très gentille, déjà on aura un code promo qui sera affiché en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, il y a un petit concours. Donc il y aura un seul gagnant qui pourra choisir 3 articles sur le site avec un lien qu'on va vous envoyer. Donc les conditions du concours, c'est tout simplement être abonné à la chaîne, liker la vidéo, nous suivre sur notre Instagram, partager la vidéo si c'est hyper important. Et de toute façon, tout est en barre de description si vous avez oublié une étape ou quoi. Et du coup, le gagnant va recevoir les articles 2 semaines après le Black Friday. Ouais, bah ouais. Donc du coup, notre code promo, je sais pas si on vous l'a dit, mais c'est 20%. Et de toute façon, ce sera en barre de description parce qu'on n'a pas encore le code. Donc regardez en barre de description. Du coup, on va directement commencer avec la vidéo. On a trop hâte, on est trop pressé de découvrir ce qu'on s'est pris. C'est toi qui m'offres les vêtements en premier. Yeah. Alors, l'objectif de cette vidéo, ce sera aussi que vous nous dites en commentaire à la fin de la vidéo quelle est la tenue que vous préférez. Soit l'article, enfin la tenue que j'ai fait pour Yolande, ou soit la tenue qu'elle en a fait. J'espère que ce sera moi. Non, votez pour moi. Alors, le carton ici, c'est toujours les mêmes. Et oh là là, oh, je vais directement commencer avec le basique, genre le haut. Le haut, ouais, j'ai avec le haut. C'est bon, tu peux ouvrir tes yeux. Alors moi, ce que j'adore, c'est les emballages. Tout le temps comme ça, bref, j'adore. Tu vas pas me dire que c'est une robe pull. Bah ouvre. Si c'est une robe pull, vraiment, si c'est une robe pull, j'en ai pas. J'en ai pas et je lui en fais que dire que j'en veux une pour l'hiver. C'est que même ce matin, elle m'a dit, Loana, j'ai trop envie d'une robe pull. Oh, je suis méga contente. Waouh, waouh, waouh. Les manches bouffit, donc ça pour l'hiver c'est top. Ouais, et elle manches... est pas trop longue. Non, j'ai essayé, franchement elle est parfaite. Et en fait ce que j'adore c'est la fin des manches, elle est comme ça vous voyez. Donc ça fait vraiment ouais, bouffi. Mais par contre j'ai regardé sur le site et il y a vraiment pas beaucoup de robes pull quoi. C'est quasiment la seule, donc du coup j'ai pris celle qu'il y avait. En cette couleur là, ça fait fort hivernal. Oh, des petites pochettes de foin. Ouais, et je suis trop contente. Ouais. Franchement je savais pas que t'allais me prendre ça. Ouais. Je me suis dit c'est pas ton style parce que à chaque fois je disais que c'est une robe pull, elle dit oh non. Bah moi j'aime bien les robes pull en vrai. Ah ouais, moi j'adore. Je suis hyper contente, franchement merci énorme. J'aurais jamais cru que tu m'aurais pris ça, jamais. Je commence bien. Là tu tapes fort. C'est ma première robe pull. Alors du coup on va continuer avec un deuxième article qui du coup va très très bien avec cette robe pull. Une ceinture. Tiens. Oh, des petits collants. Ouais. Trop chou. Je t'avoue que j'aurais jamais pensé de mettre des collants. Ah ouais? Bah ouais. Mais j'ai l'impression que ces collants là, ils font tellement toute la tenue. C'est vrai. Ça fait hyper joli, vraiment ça fait hyper tendance et tout, j'aime trop. Oh, à poids, bah ça c'est à tester. Est-ce qu'ils sont forts opaques? Non, elles sont parfaites. Genre vraiment c'est parfait parfait. Justement j'avais peur que ça fasse trop foncé, mais non ça a pas l'air. Bah franchement merci. On va continuer du coup avec un autre article. Donc bon, on va continuer avec le simple. Merci. Un chapeau. Ça c'est mon style hein. C'est beau hein. Ouais. Alors il est très beau parce qu'en fait il est pas trop grand et il est bien taillé je trouve au niveau. Mais le problème c'est que du coup avec le trajet je sais pas elle a... Enfin le chapeau a un peu une tête bizarre hein. Oh ouais. Ah bon non mais c'est normal regarde. Bon. Toi ça te va tellement pas. Je suis désolée mais ça te va vraiment pas. C'est pas beau. Ah bah moi j'ai essayé j'adore. Oh non. Oh. T'inquiète. Ah j'aime pas du tout. J'ai fait une photo franchement ça fait joli. Bah je sais pas en fait c'est la forme qui est bizarre. Ouais. Non franchement vraiment pas fan. Je pense qu'en fait faut réussir à bien mettre la forme. Bon après en soi il est simple parce qu'en fait si vous voulez il y a un autre papillon que là vous voyez pas pour le moment. Et je pense que le papillon il aurait dû être en bordeaux. Ça fait mieux là non? Ça fait mieux, ouais. Ça fait mieux. Bon faut savoir le mettre je crois. Bon après c'est pas un coup de cœur, je t'avoue mais bon pourquoi pas. Et on va terminer avec le dernier article. Alors là j'ai vu un motif léopard, je vous avoue. Bah je t'avoue que c'est l'article qui a motivé le plus de mon style quoi. Bah ouais ça, je me doute léopard c'est carrément ton style. Tiens. Merci. Ça, je pense que tu dois savoir ce que c'est. Je sais. C'est un manteau, un gros manteau léopard. Elle est hyper douce. Mais genre vraiment, elle est hyper douce. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop grande. Pas du tout. Tu peux l'essayer? Tu peux l'essayer, oui. Elle est pas du tout trop grande du tout. En tout cas, elle a l'air de tenir chaud. Franchement, ça pour cet hiver. C'est trop hyper tendance, ouais. Oh, elle est sublime. Ah, c'est magnifique. Donc du coup, je vais te montrer un peu en vidéo, enfin en photo, ce que ça donne. La tenue entière? Ouais. Alors du coup comme vous pouvez le voir finalement
franchement le chapeau ça va. Le manteau, il est juste magnifique. Et moi en fait ce que j'aime c'est qu'il est long. Habituellement franchement je vous avoue que j'ose pas mettre du long parce qu'on est petite. Mais là finalement trop bien, en plus il est hyper doux, hyper cocooning. Genre il fait hyper chaud avec. Oh, donc ça pour cet hiver ce sera vraiment juste top. Après il y a la petite robe pull. Alors bon là j'ai mis avec une ceinture. Mais malheureusement il me faudrait une ceinture vous voyez où je peux rentrer là. Elle est juste trop belle. Vraiment je vais vous montrer les manches. Elles sont bouffites comme ça donc vous voyez genre pour l'hiver et tout. Oh, moi j'adore, je suis trop trop fan. Et les collants, trop trop beau. Franchement à poids comme ça je trouve que ça fait très parisien. Et après j'ai mis ça tout simplement à des petits talons que j'ai trouvé je crois H&M, un truc du genre. Donc voilà, n'hésitez pas à noter la tenue et à nous dire ce que vous en pensez. Donc du coup maintenant c'est mon tour. C'est parti mon guigui. Allez je ferme mes yeux. Vas-y, alors je vais montrer l'article de base. Alors par contre moi j'ai pas laissé dans les emballages. Pas grave, t'inquiète. Vous allez mieux voir porter. Tiens. Waouh, alors c'est un crop top en pull. Alors, un crop top. Ah ouais. Il est magnifique avec les petites manches en volant. Tu sais que ça je l'ai absolument jamais vu sur le site. Alors il coûtait je crois 8€ ou 11€, donc pas cher du tout. Il est super épais. Par contre moi ce que j'aime pas c'est au niveau du col. Et bah ça fait trop froufrou. Bah c'est ça qui est beau non. Bah j'aime pas trop ce que ça fait trop. Du coup on peut le rentrer. Du coup moi, je préfère le rentrer comme ça. Bah franchement je m'attends absolument pas à ça. La matière est super bonne, il y a aucun fil qui pend. Et en fait ce qui est bien c'est que c'est pas trop épais. Donc du coup ça va pas nous gratter, ça va pas nous tenir trop chaud. Bah écoutez franchement moi c'est vraiment un article que j'adore. Donc voilà on va passer au suivant. Yeah. On a oublié de préciser qu'on a tout pris en taille S. Ah oui on prend toujours tout notre taille hein. Même que ce soit pour les vestes, les jeans, les chaussures etc. Prochain article. Vas-y ouvre. C'est une jupe, elle est magnifique, en rose comme ça, pâle, avec des petits traits, enfin vous allez bien voir après, des boutons, donc du coup je suppose que ça s'ouvre hyper facilement comme ça, waouh j'adore. Alors elle est super bien, super confortable, super légère, elle est pas trop courte, franchement nickel, en revanche elle est légèrement trop grande au niveau de la taille, donc je pense qu'on va faire un point derrière. Ah ouais, en plus de ça on peut même pas mettre de ceinture, donc ça c'est vraiment un truc un peu négatif, mais en soi je suis hyper contente, c'est super beau, ça va faire un trop bel ensemble gris rose comme ça, ça fait trop beau. Bah écoute je suis trop contente de ce que tu m'as pris là pour moi. Alors ensuite, alors là les articles c'est mon quasiment mon coup de cœur. Et tu vas adorer hein, parce que on en a pas. C'est des cuissardes. Et ouais. Tu sais que j'ai hésité à t'en prendre. C'est vrai. Avec la robe pull, j'ai hésité. Alors, grise ou quoi. Alors nous on fait taille 37-38 en chaussures et là j'ai pris taille 37. Je suis méga contente parce que c'est que moi j'avais envie de te les prendre mais bon je suis déjà prêt. La robe pull déjà si elle descend trop bas ça va faire archi moche. Parce que ça moi je vois bien la robe pull avec ça. Je suis trop contente parce que là franchement t'as osé en fait. C'est ça, j'ai osé. T'as vraiment osé. Je vais essayer, on verra. Et j'ai une question, tu les as testées avec la jupe? Ouais nickel. Ça fait magnifique. Franchement là Yolande, je suis trop contente. T'as osé. C'est ça, j'ai osé. Pourtant c'est pas un truc que j'achète en magasin. Je suis archi contente. On en aura enfin. Et j'étais vraiment agréablement surprise parce que sur la photo ça paraissait un petit peu genre trop tissu. Et là quand ah ouais. Elles sont bien bien épaisses. Waouh. Franchement gros coup de cœur. Je l'ai vue sur le site. C'est vrai. Elle est magnifique. Franchement sérieusement je l'adore. Trop belle. Alors une grosse veste en fourrure comme ça qui va tenir hyper chaud. Avec des motifs légèrement géométriques. Avec, je sais pas, du brun, du roux, du gris, du blanc, du noir. Oh, sublime. Sublime. Alors, moi, je t'avoue que franchement, j'adore. En revanche, je trouve que le col, il est un peu bizarre. Du coup, je le retrousse. J'ai un problème avec les cols, moi, en fait. Et ce qui est bien, c'est aussi qu'il y a des petits boutons pour fermer. Donc là, je vais laisser y aller directement pour voir un peu ce que ça donne. Oh, moi, j'adore. Oh. J'adore. Ah c'est que le col ouais il monte fort haut. Ouais il monte fort haut ouais. Ah c'est dommage. Tu ça, peux ouais. Bien le mettre en arrière. Waouh. Elle est sublime. Bah franchement là je suis méga contente. Alors écoutez ce que j'en pense. Donc déjà le manteau j'aime beaucoup. Après c'est que je me sens fort étriquée hein. Au niveau du cou. Ouais je me sens vraiment fort étriquée. Mais en soi il est hyper joli. Enfin comme ça je pense que c'est mieux. En ce qui concerne le haut, waouh il est sublime, j'adore. Donc Yolande elle a dit que c'est ça qui fait un peu moins beau entre guillemets. Moi justement je trouve que c'est ça qui fait le plus beau. Ça me gêne. Moi pas du tout. Les manches pareil, on a ça. Ici ça fait légèrement crop top vous voyez mais pas trop. En ce qui concerne la jupe, alors j'aime bien. Mais je vous avoue que je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan du tout. En fait, je pense que je suis pas fan parce que ça suit pas vraiment ensemble, je trouve. Les cuissardes, énorme coup de cœur. Franchement, j'adore. Franchement, je suis très très contente. Je trouve que cet ensemble, en soi, il va ensemble. Mais avec le manteau, ça va pas ensemble. Donc, du coup, écoutez, la vidéo elle touche vraiment à sa fin. J'espère trop qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, j'ai adoré le concept. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. Une moto. Et je pense franchement que si cette vidéo vous aura plu et qu'il y a un max ouais, de likes, on va faire une partie 2. Et on va faire une partie 2 parce que franchement nous on a adoré. On a adoré, franchement c'est un super concept. Du coup voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et nous on vous fait d'énormes bisous. Et on vous dit à très vite. Ciao!